peut-être que si je fais ça... Ah, yes, j'ai enfin réussi à décoller ce morceau de fer qui dépassait. Si un garde arrive, je vais pouvoir l'exploser et m'enfuir. Qu'est-ce que j'ai à bouffer aujourd'hui? Oh putain, encore ça, c'est dégueulasse. Pah, est toujours aussi dégueulasse cette eau. Putain, c'est quoi ça? Putain, c'est... Oh, t'es qui toi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas l'école maternelle? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, rien à foutre, moi je me casse. T'es qui toi? T'es venu me sauver? Non, je cherchais l'école maternelle. Pourquoi? C'est compliqué. Bon, ok, si tu veux. Ah, Lolo, t'as des enfants? Non, par contre. Mais c'est qui lui, putain? Mais vous êtes qui, les gars? Bon, vite, monte. Mais putain, mais c'est quoi cette voiture? Toutes les unités. Deux pédophiles sont en train de se barrer à une vitesse incroyablement lente. Putain, y a les flics. On s'en fout, on va les semer. Putain. Allô, tire. Mais vous êtes qui? À toutes les unités, notre voiture est endommagée. Nous rentrons dans le commissariat. Putain, mais il se passe quoi? C'est bon, ils nous suivent plus. C'est bon, je les ai dissuadés de nous suivre. Ok. C'est encore long? Je sais pas en fait, on cherche l'école maternelle. Oh putain. Non, d'abord passez par votre maison. Est-ce qu'elle est longue? Enfin, est-ce qu'elle est loin votre maison? Je suis pas où. Putain, mais qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. C'est quoi ces psychopathes? Je me souviens plus de la route. Bon, vous êtes qui? Les plus recherchés de la ville. De tout Main City, vous êtes les plus recherchés. Les pédophiles les plus recherchés. Vous êtes des pédophiles. Oui. J'aime bien les chatons et tout ce qui est rose. Putain, pourquoi est-ce que je me suis embarqué? Vous comptez pas me violer, j'espère? Non. Ah non, t'es pas un enfant. Ouais. Putain, mais c'est quoi là? Mais t'as vu comment tu conduis? Putain, le véhicule il va exploser là. Vas-y, viens, viens, rentre ici. C'est chez moi. Oh, mais putain, mais vite. Putain, ça va exploser. Mais c'est quoi ce conducteur de merde? Oh putain. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi bizarre? Je sais pas, la dernière fois que j'ai demandé au médecin, il m'a juste dit que j'avais une maladie mentale. Oh putain. Et toi, c'est quoi toi ton truc? Qu'est-ce que... Moi j'aime juste les enfants et le feu. Ah, je vois ça, parce que putain, pour avoir fait ça, c'est qu'il faut les aimer, hein, les enfants et le feu. Ah, le feu, c'est pas moi, c'est lui qui conduisait. Oui, bah, t'as l'air de bien kiffer pourtant. Hein. Bon, comment on est chez moi, je te fais visiter. Oh, qu'est-ce que j'ai bon. À perdre. Moi, je vais aller dans mon appartement. Hein. Monte. Ça, c'est ma chambre. Pourquoi est-ce que t'as ça dans ta chambre? Comme ça. Ça, c'est ma cuisine. C'est un peu vide. Hein. Ah oui. Ça, c'est mon bureau. Ouais. Oh putain, mais pourquoi est-ce que je suis... Ça, c'est ma salle informatique. What the f... C'est quoi, ça? Ma salle informatique. Pourquoi est-ce que t'as un texte de virus? Laisse tomber. D'accord. Qu'est-ce que t'as ici? Oh putain, des serveurs. Mais t'es quoi toi? T'es un hacker ou t'es un pédophile? Un peu des deux en fait. Et toi, ça te gêne pas qu'on dise que t'es pédophile? Non. Oh putain.
Et là, c'est ma salle de bain et annexement là où je fabrique mes bombes. C'est quoi ça? Bah, le matériel. Putain. Écoute, je crois que t'as pas bien compris en fait. Tu sais qui je suis au moins? Non. Je suis un braqueur de banque. Et de tout ce qui rapporte du cash. Pourquoi est-ce que je traîne avec des pédophiles, putain? Bah, je sais pas, on t'a sorti de tôle, non? Oui, et c'est très gentil, mais le problème, c'est que c'est un peu bizarre, en fait. Je sais. Enfin, je crois, je sais pas, Et pourquoi est-ce que t'as des trucs... C'est pour quoi, ça? C'est pour tes bombes? Bah oui, c'est pour fabriquer la solution pour les bombes. Pourquoi est-ce que t'as une machine à laver? Pour laver mes vêtements. Ah bah putain. Et l'autre con, il a quoi? L'autre quoi? C'est compliqué. Putain. Oh, rebouchera. Oh putain. Sonnette. Oh putain, pas sonnette. Putain, bon. Putain, même moi qui suis un putain de braqueur, jamais vu des dégâts aussi massifs. Et pourquoi est-ce qu'il a un sol tout cramé, lui? On t'a pas tout dit, en fait. Mais c'est quoi, ce bordel? Et c'est quoi, ça? Pourquoi est-ce qu'il a un putain de fusil à pompe? Pourquoi est-ce qu'il a... Il a 5 fusils à pompe? Et pourquoi est-ce qu'il a que des balles de fusil à pompe et des trucs incendiés? Des trucs qui t'incendient? Pourquoi est-ce qu'il a des tonneaux? Et pourquoi est-ce qu'il a des putains d'armures pour pas prendre cheveux, putain? Mais je comprends plus rien, moi je me casse, hein. C'est très sympa, mais moi je me casse. À vrai dire, on est amis depuis un petit moment, il s'est trouvé que tous les deux nous étions pédophiles et que nous aimions la destruction. Lui les flammes. Attends, il a quoi son étage? Ah bah il est là. Salut. Pourquoi est-ce que tout est brûlé chez toi? Bah j'aime le feu, comme c'est dit. Pourquoi est-ce que tu regardes des programmes pour enfants? C'est rien. Putain. Pourquoi est-ce que tu veux acheter des meubles? Vous êtes bizarre, hein? Bah. Ouais. Moi, faut que je rachète tout le temps des meubles parce qu'ils crament tout le temps. C'est du bois en même temps. Oh putain, oh putain. Ah, en fait, dans les tonneaux en bas, c'est pas de l'alcool, hein, c'est de l'essence, hein, juste pour te rassurer. Oh putain, moi je me casse, j'en ai marre. Bah. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, me suivez pas, hein. Putain. Mais. Reviens. Reviens. Sinon quoi? Reviens. On sait pas. Ne me touchez pas, putain. Mais. Reviens. Allez. Pourquoi est-ce que vous me suivez, les gars, sérieusement? Bah, t'as l'air sympa. Vous avez l'air bizarre, ça, vous en rendez pas compte, mais vous êtes très bizarre. Ouais, mais toi, t'as l'air sympa. Voilà. Déjà, on va éviter de parler de ma sympathie extrême devant la mairie, hein. Et putain, mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous faites... Vous avez pas compris, vous allez vous faire saisir tous vos meubles, maisons et tout ce qui existe que vous possédez. Regardez ce que vous avez fait. Mais, moi, vous croyez que les flics vont laisser passer ça, sérieusement? Mais attends, juste pour te ça dire... Ça va faire trois fois que je garde la voiture comme ça. Ils sont jamais pleins. Et pour te dire, moi, il y a déjà des gens qui sont venus pour me dire « Ouais, mais pourquoi il y a une odeur de cramé qui sort de chez vous ?» Bah, ça, je les ai emmenés dans ma cave et puis je les ai cramés. Putain, mais t'es bizarre. Oh, ils étaient trop bons. Pas grillé à point. Ouais, moi j'en ai été pas très fin ce moment-là, mais... En gros, vous mangez les gens que vous faites brûler? Non, les enfants. Vous mangez les enfants et vous les violez? Oui. Oui. Oh putain. Ah, d'ailleurs, je crois que j'en ai oublié un, bah je vais aller le finir. Allez. C'est une bonne idée. Bon, attends, toi, c'est quoi ton prénom? Moi? C'est pas important. Bon, comment est-ce qu'on t'appelle? Jojo.
Ok, bon, pourquoi pas. Bon, alors Jojo, vu que tu m'as l'air un peu plus normal que ton ami, ça te dirait de m'aider pour mes casses et de m'aider à, comment dire, à brûler des gens, mais pas des enfants. Oui. C'est parfois c'est bon aussi les adultes. Je sais pas, faudrait que je goûte. Oui, voilà, c'est délicieux, c'est avec du ketchup, c'est trop bon. Donc, ça te dirait pas de faire griller un mec pour moi? Non. Ça te dérange? Non. Bon, alors, écoute, viens. On reste pas dans la rue, là, parce que, déjà qu'il y a des putains d'explosions, tu vas pousser le chien. Allez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Encore c'est... sauter de la fenêtre. Et c'est quoi? Et oui, c'est... désolé. Et c'est quoi son surnom à lui? Lui, à vrai dire, on sait pas. Y a même pas de surnom. Tu sais même pas comment il s'appelle, c'est pas son surnom. Bah généralement, on l'appelle Allo. Pourquoi? Bah parce qu'on l'appelle toujours comme ça au téléphone, donc... Oh putain, en fait, vous êtes con, quoi. Ouais, c'est pas gentil, ça. Putain. Bon. Écoute, de toute façon, je m'en fous de que tu sois intelligent ou pas. Tout ce que je veux, moi, c'est des explosifs. Et de quoi faire brûler des mecs. Donc, je te propose un truc. Tu... Est-ce que t'as d'autres voitures? Est-ce que t'as un autre truc, là? Non. Pas vraiment. Ok, je vais devoir voler une voiture, c'est génial. Pff, à peine de m'évader, je dois déjà revoler des trucs. Eh ben. Bon, alors, écoute. Je vais gagner de l'argent. Ok, parce que j'ai pas envie de voler des voitures, sinon après je vais encore me faire choper par les flics, et j'ai pas envie de retourner en tôle. De l'argent? Oui, de l'argent. J'en ai plein. Comment t'arrives à te faire de l'argent, toi? Bah je vends un peu tout ce que j'ai. D'accord. Ok, donc t'as combien? T'es riche? Je crois que j'ai 5 500 $. Ouais, bon, c'est pas parfait, mais c'est déjà un début. Tu vas m'aider à faire le braquage d'une petite banque, ok? D'accord. Tu veux combien de pourcentage? 25% ça te va? Non, attends, j'ai une meilleure idée. 15% c'est bien? 4? Oui, voilà, 4% c'est bien? Oui. Oui, ça va. Pourquoi est-ce que j'entends du feu? Oh putain. Laisse tomber, ça arrive. J'ai même pas envie d'aller voir, j'ai pas envie de laisser ma vie pour une connerie. Bon, donc écoute, on va braquer une banque. Parce que j'ai besoin de me faire de la thune et j'ai besoin de brûler certaines personnes qui m'ont, comment dire, enfermé en prison. Tu vois? D'accord. Donc tu vas m'aider à faire brûler ces gens et à me faire de l'argent, ok? D'accord. En échange de 4%, ça te va? Oui, largement. C'est beaucoup 4%, t'as vu? Ouais, c'est énorme. Non, mais je suis gentil, je vais te donner 5%. Oh, merci. Je vais te donner 5%, donc c'est génial. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Et donc, du coup, ouais, faudrait qu'on se fasse un braquage d'une banque assez grande. Mais vu tous les explosifs, ça devrait pas trop faire chier, ok? Donc, je t'expliquerai ça plus tard. Moi, je vais prendre un peu l'air, parce que là, je flippe. Bon, c'est pas par là, la sortie. Je vais décompresser, ok? Parce que je vois que t'as même pas de balcon. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh putain, mais c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Pourquoi est-ce qu'ils font exploser une route? Mais putain, mais... Eh mais attends, mais il me suit, lui. Eh mais il me suit. Putain, mais... Bon, je vais m'éloigner de ces gens-là. Je vais dans la ruelle. Ah ben, je vais monter sur le toit, je vais voir qu'est-ce qu'ils font. Vivement que je retrouve l'ordre là, j'ai hâte de lui faire la peau, donc je suis libre. Putain, ils ont bien brûlé le truc, putain, il y a... Qu'est-ce qu'ils disent? J'arrive pas à entendre. Putain, c'est vraiment bizarre. Bon, je vais redescendre, c'est pas important. Avec un peu de chance, il va m'accepter pour dormir chez lui.